En février, le tournoi international Pee-wee de Québec accueillait pour la toute première fois de son histoire une équipe d'étoiles 100% féminine dirigée par nul autre que Caroline Ouellette. En 2014, on a commencé la célébration à hockey féminin, qui est un tournoi pour les novices à Tombe Pee-wee. Au hockey féminin, puis ça a vraiment été une belle expérience, puis on cherchait un nouveau défi cette année, un événement qui peut-être amènerait encore plus de visibilité au hockey féminin, puis on a vraiment essayé de pousser pour la cause, de convaincre les gens du tournoi international Pee-wee de hockey de Québec de nous accepter. Donc, à la célébration cette année, on a choisi les meilleures joueuses Pee-wee qui évoluent au hockey féminin ou au hockey masculin. Puis on a le privilège de participer au tournoi la semaine prochaine. Donc, je pense que ça va être vraiment une expérience mémorable pour les filles. Mes coéquipières Charlène Labonté et Julie Chu ont participé au tournoi lorsqu'elles étaient Pee-wee. Puis c'est le meilleur moment de leur hockey mineur. Alors, on est très fiers de pouvoir offrir cette opportunité-là aux jeunes filles. Au tournoi international Pee-wee de Québec, vous allez affronter une équipe, les Americans de New York, 100% composée de garçons. Comment vous voyez ça? Comment vous vous préparez à ça? Bien, la plupart des filles de l'équipe jouent déjà avec des gars. Alors, on prend ça un peu relax parce que ça, c'est rien de nouveau pour la plupart. Puis nous, ce qu'on espère créer, c'est des rêves pour les jeunes filles qui regardent ça et qui se disent « moi aussi, je veux y participer ». Pour nos filles, bien, ça va être vraiment de leur donner confiance, de leur répéter qu'elles sont là parce qu'elles étaient les meilleures, elles sont encore les meilleures, puis c'est d'amener ce qu'elles nous ont montré en décembre, puis juste d'avoir du plaisir. Je pense que quand on a du plaisir, on joue toujours au meilleur de nos habiletés. Puis pour nous, on va essayer de contrôler ce qu'on peut contrôler côté entraîneur. Je suis bien entourée avec Marie-Philippe Poulin, Kim Saint-Pierre, Camille Dumais, puis Valérie Bois, qui coachait l'équipe Québec moins de 16 ans. Donc on va avoir beaucoup de plaisir, je pense. Si la présence d'une équipe étoile composée exclusivement de filles au tournoi international Pee-wee de Québec est une bonne nouvelle pour le hockey féminin, le directeur général de l'événement rappelle que ce n'est pas demain la veille que l'on assistera à la création d'une classe réservée strictement aux filles. Marie-Christine Baudry pour Hockey le magazine.